Tonight we're going to talk about Revelation chapter 12. Ce soir, nous parlerons de l'Apocalypse chapitre 12. And we're going to do a verse by verse exposé. Et nous étudierons le chapitre en examinant chaque verset. Now I've titled this lecture The Battle of the Giants. J'ai donné le titre à cette conférence de la bataille des géants. Because this is really what it is all about. Car c'est de ça que ce texte parle. You see, the book of Revelation tells the culmination of the story. Car voyez-vous, le livre de l'Apocalypse nous donne la culmination de l'histoire. Of the great battle between Christ and Satan. De la grande bataille entre le Christ et Satan. And here in Revelation 12, we have a synopsis of this battle. Et ici, en Apocalypse 12, nous avons un résumé de cette bataille. So Revelation is God's protection from last day delusions. Et le livre de l'Apocalypse est la protection de Dieu contre les égarements de la fin des temps. And believe me, there are many delusions out there that would like to confuse you on the book of Revelation. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'égarements dans le monde qui voudraient bien vous confondre en ce qui concerne le livre de l'Apocalypse. This chapter describes the enormous struggle between the forces of good and the forces of evil. Ce chapitre décrit la lutte, la bataille énorme entre les forces du bien et les forces du mal. Now we get tired from the battle, just from the daily battles of life. Et nous sommes déjà fatigués des luttes, des batailles que nous avons chaque jour. But this battle has been raging for 6,000 years. Mais cette bataille dure depuis 6,000 ans. The Bible says that God created man in his own image, and the image of God created him, male and female created he them. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Now why did he create man? Mais pourquoi les a-t-il créés? The Bible says man was created for the glory of God. La Bible nous dit que l'être humain fut créé pour la gloire de Dieu. You know, there are some people that think we're just some afterthought. Savez-vous, il y a des personnes qui pensent que nous existons comme une pensée après coup. In Psalms 8, we even read that we were created for the sake of the enemy. Mais Psaume 8 nous dit que nous avons été créés aussi pour imposer silence à l'ennemi. And God did something very special on this earth. Et Dieu a créé, a fait quelque chose de très spécial sur cette terre. He not only created them male and female. Il ne les a pas seulement créés hommes et femmes. He created them in the image of God. Il les créa à l'image de Dieu, nous dit le texte. Please note that God is here plural, our image. Notez bien que Dieu est ici au pluriel, à notre image, verset 26. And he gave man dominion. Et il donna à l'homme domination. Now none of the angels had dominion. Aucun des anges avait une domination. Because they were in heaven with God and God sat on his throne and he ruled. Car ils étaient aux cieux avec Dieu et Dieu était assis sur son trône et il gouvernait. But here God created a mini cosmos. Mais ici Dieu créa un mini cosmos, un mini modèle de monde. And he gave man dominion over the fish of the sea, the fowl of the air, the cattle of the earth and every creeping thing that creeps on the earth. Genèse 1, 26 nous dit qu'il donna à l'homme de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. And God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Well, if we read correctly in the Bible, then Jesus said that the angels do not multiply. Mais si nous lisons correctement dans la Bible, Jésus avait dit que les anges ne se multiplient pas. So here was something very special. Alors ici sur cette terre, il y avait une création très spéciale. A creature that could share in the creative capacity of God. Une créature qui pouvait partager avec Dieu de sa capacité créative. And they were to replenish the earth and subdue it and have dominion. Et ils devaient remplir la terre et la assujettir et la dominer, dit la Bible. Now why would God create this order of being? Mais pourquoi créerait-il Dieu ce type de créature? There was a problem in heaven. Il y eut un problème dans les cieux. And we will read about this in Revelation chapter 12 as well. Et nous lirons sur ce problème en Apocalypse chapitre 12 aussi. Because one of the angels in heaven decided. Car un des anges aux cieux avait décidé. That it was unrighteous and unfair to be subject to God's rules and regulations. Que c'était injuste et illégitime d'être soumis aux règles et règlements de Dieu.
And the very one that was the image of the deity and part of the triune God. Et celui qui était l'image de la déité et faisait partie du Dieu de la Trinité. Namely Jesus Christ, before he came to this earth. C'est-à-dire Jésus-Christ avant qu'il vienne sur cette terre. Received honor and glory and worship. Il recevait l'honneur et la gloire et l'adoration. But he, Lucifer. Mais lui, Lucifer. Received no worship. Il ne recevait pas d'adoration. And yet when he looked at his creator. Mais quand il considérait son créateur. He saw no difference. Il ne voyait pas de différence. Because God created the angels also in the image of God. Car Dieu avait créé aussi les anges à l'image de Dieu. This is the beauty of God. C'est donc la beauté de Dieu. If I were God and I were to create some beings, si moi j'étais Dieu et je devais créer des êtres vivants, they would be minuscule little things compared to me. Ah, moi je créerais de petits êtres minuscules comparés à ma grandeur. But God created them in his image. Mais Dieu les avait créés à son image. So that they couldn't even see a difference. Et ils ne pouvaient même pas voir une différence. The same happened when he came to this earth. Et la même chose se passa quand il vint sur cette terre. He came exactly like us. Dans son apparence extérieure, il se voyait exactement comme nous. And the Pharisees couldn't see the difference. Et les pharisiens ne pouvaient pas voir la différence. Can anything good come out of Nazareth? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? And who's this one who doesn't even know letters? He hasn't even studied. Et qui est cette personne? Comment connaît-il les Écritures? And they didn't recognize him for the Son of God. Et ils ne l'ont pas reconnu comme le Fils de Dieu. Because he was just like they were. Car il se voyait exactement comme eux, ils se voyaient. So jealousy made Satan fall. Alors la jalousie a causé la chute de Satan. And he accused God of being arbitrary. Et il a accusé Dieu d'être arbitraire. So God created this world. Et alors Dieu créa ce monde. To show that it takes responsibility to rule the universe. Pour démontrer qu'il faut avoir de la responsabilité pour dominer l'univers. And responsibility requires rules and regulations and laws. Et la responsabilité exige des règles, des règlements et des lois. And we could have learned this lesson and demonstrated it to the entire universe. Et nous, comme êtres humains, aurions pu apprendre cette leçon et la démontrer à l'univers entier. If we hadn't been deceived and also fallen. Si on n'avait pas été séduit et tombé dans le péché. So in Genesis chapter 2 verse 9. Et alors dans la Genèse chapitre 2 verset 9. We read that God made out of the ground the Lord God made grow every tree that is pleasant to the sight. Nous lisons l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir. And there was the tree of life and then there was the tree of the knowledge of good and evil. Ainsi que et il y avait aussi l'arbre de la vie et aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. You see, God gave life to his beings conditional to obedience. Et Dieu donna la vie à ses êtres humains sous la condition de l'obéissance. Or else we would have perpetual misery for all eternity. Autrement, avec le péché, nous aurions une misère perpétuelle pendant toute l'éternité. But the Bible tells us about the serpent. Mais la Bible nous parle aussi de ce serpent. Now the serpent itself wasn't subtle, but the one behind it, Lucifer, who used the serpent, he was subtle. Alors ce n'était pas le serpent même qui était le plus rusé ou averti, mais celui qui était derrière le serpent, Lucifer, qui utilisait le serpent. And he questions God. Et il met en doute ce que Dieu avait dit. He says to the woman. Et il dit à la femme. Did God really say? Dieu a-t-il réellement dit? Do you think he really meant it? Est-ce que vraiment il voulait dire ça? That you shouldn't eat of this tree in the garden? Que vous ne pouvez pas manger de toutes les arbres du jardin? And she answers, yes, we may eat of the trees and of the fruits in the garden. Mais elle répond, oui, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. But of this tree here in the middle of the garden, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, we must not touch it or we will die. Nous ne devons pas le toucher, autrement nous mourrons. Now Satan had already planted the seed of doubt in her mind. Alors Satan avait déjà semé le doute dans l'esprit de la femme. And he says to her. Et il lui dit. God knows that when you eat of it,
Your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Genèse 3:5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. And just prior to this, he said, you will surely not die. Et avant ça, le serpent avait dit, vous ne mourrez point. God had said, you will die. Mais Dieu avait dit, vous mourrez. The serpent said, you will not die. Et le serpent avait dit, vous ne mourrez point. God said it's the tree of the knowledge of good and evil. Et Dieu avait dit c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. And Satan says it's the tree of wisdom. Mais Satan avait dit c'est l'arbre de la sagesse. You will be like God. Il avait dit vous serez comme des dieux. And you will know everything. Et vous connaisserez toutes choses. So this was a knowledge to be desired. C'était donc une connaissance à désirer, à chercher. God never wanted anyone to know evil. Mais Dieu ne voulait jamais que les personnes connaissent le mal. He never wanted to see anyone suffer because of evil. Il ne voulait jamais voir quelqu'un souffrir à cause du mal. But Satan twists it around and he says, good cannot exist without evil. Mais Satan tourne ça et il dit que le bien ne peut pas exister sans le mal. So the two are married for all eternity. Alors le bien et le mal sont mariés pour toute l'éternité. Well, the story goes that man fell. L'histoire de l'humanité avance et l'homme tomba dans le péché. And God in his mercy didn't obliterate him just there and then. Mais Dieu dans sa grâce, il ne le détruit pas de façon immédiate. So in Genesis 3:24 we read that he drove out the man and he placed at the east of the garden of Eden the cherubim and the flame of a sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Et dans la Genèse 3:24, nous lisons que c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin de l'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. So access to the tree of life was denied. Et alors l'accès à l'arbre de la vie fut nié. So that sin would not be perpetuated. Pour éviter que le péché continue dans l'éternité. They had not met the condition and therefore they were to die. Ils n'avaient pas répondu à la condition et donc ils devaient mourir. Did God leave them in that misery? Est-ce que Dieu les laisserait dans cette misère? No. Non. But even in the New Testament, in Romans 6:23, it says the wages of sin is death. Mais même dans le Nouveau Testament, Romains 6:23 nous dit que le salaire du péché c'est la mort. Satan says no, the wages of sin is wisdom. Mais Satan dit non, 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 le salaire du péché c'est la sagesse. And to the occult world, Satan is the wise one and the good one. Et dans le monde de l'occultisme, c'est Satan celui qui est le sage et le bon. And the Lord God is the evil one. Et l'Éternel Dieu, c'est lui qui représente le mal. So they turn the doctrine round. Et alors ils inversent la doctrine. And all the days that Adam lived were 930 years and then he died. Genèse 5:5, tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans et puis il mourut. So that seed of death was planted in him and then took its toll over all those years. Et le germe de la mort fut planté en lui et eut raison de lui après toutes ces années. And since then man has deteriorated to the point that if you get as old as I am, you're lucky. Et depuis ce temps-là, la race humaine a détérioré à tel point qu'aujourd'hui, si vous êtes si âgé que moi, vous avez de la chance. But then comes the promise, Genesis 3:50. Mais après, nous lisons la promesse, Genèse 3:15. I believe it wasn't long after the fall that God gave this promise. Et je crois que peu de temps se passa après la chute et Dieu leur donna cette promesse. He said, I will put enmity between thee and the woman. En français, nous lisons de l'ancienne traduction Martin, verset 15, et je mettrai inimitié entre toi et la femme. And between thy seed and her seed. Entre ta semence et la semence de la femme. And he shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. Et cette semence te brisera la tête et tu lui briseras le talon. Now what did he say there? Alors, qu'est-ce qu'il dit là, Dieu? This is the messianic promise. C'est donc la promesse messianique. A woman in the Bible is the church. Une femme dans la Bible représente une église. So there will be enmity between God's people under the leadership of Christ. Et donc, il y aurait de l'inimitié entre le peuple de Dieu sous la direction du Christ.
and between Satan and his seed. Et entre avec Satan et sa postérité. And between thy seed and her seed. Et entre ta postérité et sa postérité, contre sa sémence ou ta sémence. So the two religious systems will clash until the end of time. Et alors les deux systèmes religieux s'opposeraient jusqu'à la fin des temps. Now the seed is also singular. Et le mot traduit par postérité ou semence est aussi au singulier masculin. And the seed of the woman refers to the Messiah. Et la postérité ou semence de la femme se réfère au Messie. He, the Messiah, la sémence masculine, c'est lui, le Messie. Shall bruise thy head. T'écrasera la tête du diable. Other translations say, crush thy head. Et des autres traductions disent briser la tête. And thou shalt bruise his heel. Et tu, le serpent, tu lui blesseras le talon. So Satan would do damage to Christ. Et alors Satan blesserait le Christ. But Christ would destroy him. Mais le Christ le détruirait. Now, when we go to the Douay-Rheims Bible, which is the Catholic Bible. Alors, quand vous lisez ce verset de la Bible de Douai, qui est une Bible catholique, they changed this verse. Ils ont changé ce verset. And it says, I will put enmity between thee and the woman. Et le verset se lit, et je mettrai inimitié entre toi et la femme. And thy seed and her seed. Et entre ta sémence et la sémence de la femme. And she shall crush thy head. Et elle te brisera la tête. And thou shalt lay in wait in for her heel. Et tu briseras le talon d'elle, de la femme. So they rip the Messiah right out of the promise. Alors ils ont enlevé totalement le Messie de cette promesse. And replace him with the Virgin Mary. Et ils l'ont remplacé par la Vierge Marie. So the Savior of the world becomes Mary. Rather than the Messiah. Et alors le sauveur du monde, c'est donc Marie à la place du Messie. But let's see how Revelation tells the story. Mais voyons donc comme l'Apocalypse nous décrit les faits. Let's start with Revelation verse 1. Apocalypse 12, verset 1. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. And the moon under her feet and upon her head a crown of 12 stars. Et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Now Roman Catholicism depicts Mary like that. Alors le catholicisme romain décrit Marie de cette forme. That's why if you go to a statue of Mary, she'll be standing on the moon. Et c'est pour ça que si vous voyez une statue de Marie, elle se tient debout sur la lune. She wears the colors white and blue. Elle porte les couleurs de blanche et bleu, which stand for righteousness and obedience. Qui symbolisent la justice et l'obéissance. And she takes the place of the Messiah. Et elle prend la place du Messie. But of course, a woman in the Bible is a church. Mais naturellement, une femme dans la prophétie biblique représente une église. And the number 12 stands for the tribes of Israel and stands for the divisions of the apostles. Et le numéro 12 symbolise les tribus d'Israël et symbolise aussi la division, la répartition sous les apôtres. So it stands for the church of God in the Old Testament and in the New Testament. Et ça représente donc l'église de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi. This enmity that was to take place until the end of time. Et de cette inimitié donc qui existerait jusqu'à la fin des temps. Mary wasn't around over that whole time span. Et Marie n'a pas existé pendant toute cette période. And she being with child. Et verset 2, elle était enceinte et elle criait. Travailing in birth and pain to be delivered. Étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Now the Messiah came forth out of his people, out of Israel. Alors le Messie a son origine de son peuple, de Israël. It is true that he was born of Mary. Et c'est vrai qu'il était né de Marie. And Mary was a fine woman. Et Marie était une bonne femme, une femme juste. But we will see from the prophecy that it pertains to his people as a whole and not just to Mary. Mais nous verrons que dans la prophétie, la femme symbolise le peuple de Dieu dans sa totalité et pas seulement Marie. Now this Messiah that was to be born was going to be attacked by Satan from the moment of his birth. Alors ce Messie qui devait naître serait attaqué par Satan du moment de sa naissance même. So here's the adversary.
Et voilà donc l'adversaire qui arrive. And there appeared another wonder in heaven, and behold, the great red dragon, having seven heads and ten horns and seven crowns upon his head. Verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. We'll look at the symbolism in a moment. Nous allons considérer ce symbolisme dans un moment. Let's just make sure that Roman Catholicism really teaches that Mary takes this position. Mais assurons-nous que le catholicisme romain enseigne vraiment que Marie prend cette position. Here is one of their web pages. Voilà ici une de leurs pages internet. Referring to the Immaculate Conception Basilica. Qui se réfère à la basilique de la Conception Immaculée. They write here, it is no surprise that the woman would triumph over the red dragon. Et ils écrivent ici que ce n'est pas une surprise que la femme triompherait, vaincrait sur le dragon rouge. For scripture says so at the very beginning. Car les Écritures nous disent ça au tout début. And then they quote Genesis 3:15. Et après, ils citent de la Genèse 3:15. But of course, the altered version, mais c'est naturellement en utilisant la version modifiée. Where she is to crush the head. Où c'est elle qui brisera la tête, whilst the devil would lie in ambush at her heels. Et le diable va attaquer le talon de la femme. This is not based on the biblical manuscripts. Mais cette traduction n'est pas basée sur les manuscrits bibliques. They say further to Mary, the woman of Scripture and the mother of men who keep the commandments of God and hold fast to the truth concerning Jesus. Et ils vont encore plus loin, ils identifient Marie comme la femme de l'Apocalypse et la mère de ceux qui gardent les commandements et gardent la vérité de Jésus. The church applies these words. Mais l'Église applique ces textes à Marie. She is the glow that radiates from eternal light. Elle est la brillance, l'éclat qui brille de la lumière éternelle. She is the untarnished mirror of God's majesty. Elle est le miroir non terni de la majesté de Dieu. She's the faithful image of his goodness. Elle est l'image fidèle de sa bonté. These are all attributes that the Bible gives to Jesus and to Jesus alone. Yes. Mais ces attributs, c'est tous des attributs que la Bible donne à Jésus et exclusivement à Jésus. They say that Mary is full of grace. Ils disent que Marie est pleine de grâce. And that is why they declared that she is immaculate. Et c'est pour ça qu'ils l'ont déclarée immaculée. That she was conceived immaculate. Que elle fut conçue immaculée. And this is not biblical. Mais ce n'est pas biblique. The only one who was totally without sin was Jesus Christ. La seule personne qui fut totalement sans péché fut Jésus-Christ. Well, the Pope can modify divine law. Mais si le pape peut modifier la loi divine, he can change the commandments of God, et il peut changer les commandements de Dieu, as we deal with in another lecture, et nous parlerons de ça dans une autre conférence, then surely he can change the plan of salvation as well. Et alors il peut sûrement aussi changer le plan du salut. He can rob God of his Sabbath. Il peut enlever à Dieu le sabbat. The church, after changing the day of rest from the Jewish Sabbath to the seventh day of the week to the first, made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. L'Église, après avoir changé le jour du repos du sabbat juif ou du septième jour de la semaine au premier, a changé le troisième commandement pour se référer au dimanche, comme le jour sacré, comme le jour du Seigneur à garder. So the whole reference to creation is taken out. Et alors la référence entière à la création est enlevée du commandement. But not even Jesus said that he'd come to change or destroy the law. Mais même pas Jésus s'était permis de dire qu'il allait changer ou abolir la loi. Il était venu pour accomplir la loi. But to fulfill it. Il était venu pour accomplir la loi. There's a conflict between two systems. Et alors il y a un conflit entre deux systèmes. Let's continue just to be sure. Mais continuons pour être sûrs. Verse 4. Verset 4, Apocalypse 12. His tail drew the third part of the stars of heaven. La queue du dragon entraînait le tiers des étoiles du ciel. Now in the Bible, the word star is used synonymously in parallelism for angels. Et dans la Bible, le mot étoile est synonyme avec des anges dans le parallélisme biblique. So Satan fell from heaven with a third of the angels. Et alors Satan fut jeté des cieux avec un tiers des anges. And did cast them down to the earth. Et Jésus les jeta sur la terre.
And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. For to devour a child as soon as it was born. Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. So the Messiah was born out of God's people. Et alors le Messie naquit du peuple de Dieu. And Satan was ready to destroy him. Et Satan était prêt pour le détruire. And she brought forth a man child. Verset 5, elle enfanta un fils. That's Jesus. C'est Jésus. Who was to rule all nations with a rod of iron? Qui doit être gouverner toutes les nations avec une verge de fer? And a child was caught up unto God and to his throne. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. This is the Messiah, and he was taken up into heaven. C'est donc le Messie qui fut enlevé aux cieux. And now the woman fled into the wilderness. Et verset 6, la femme s'enfuit dans le désert. Where she has a place prepared of God. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. That they should feed her there 1,260 days. Afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. The Bible says take a day for a year. Dans la prophétie, la Bible nous dit d'utiliser un jour pour un an. So that's 1,260 years. Et alors cette période symbolise 1260 années. Did Mary flee into a wilderness for 1,260 years? Est-ce que Marie s'est enfouie dans un désert pour 1260 années? Of course not. Naturellement pas. That's even longer than Adam lived. Ça serait une période plus longue que toute la vie de Adam. And this war is really about Christ and about Satan. Et alors cette guerre nous parle en réalité du Christ et de Satan. So in verses 7 and 8 we read and there was war in heaven. Versets 7 et 8, nous lisons, il y eut guerre dans le ciel. So this is a backflash. Et voilà un backflash, un saut en arrière à niveau chronologique. Michael and his angels fought against the dragon. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. And the dragon fought and his angels. Et le dragon et ses anges combattirent. And he prevailed not. Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts. Neither was their place found anymore in heaven. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. So Michael, who is Michael? Et alors Michel, c'est qui Michel? Well, the word Michael means he who is what God is. La palabra. Et alors le nom Michel signifie celui qui est ce que Dieu est. And he fought against the dragon, and that is Satan. Et il combattit contre le dragon, et c'est-à-dire contre Satan. So that must be the one who is that God is must be Christ before he came to this earth. Et alors celui qui est ce que Dieu est, Michel, doit représenter le Christ avant de venir sur cette terre. But we need to make sure. Mais nous devons être sûrs. Because there are many philosophies regarding Michael out there. Car il y a beaucoup d'interprétations sur ce personnage dans le monde. In Daniel chapter 10 verse 21, Así the Bible que, says Michael is your ruler. Daniel chapitre 10 21, la Bible nous dit que Michael ou Michel est votre chef ou prince. So referring to God's people, he is the ruler of God's people. Et le texte il parle ici du peuple de Dieu et lui il est le chef du peuple de Dieu. Well, the Bible calls Jesus King of Kings, so he's the ruler. Et la Bible définit Jésus comme le roi des rois, et donc lui, il est le chef. He's the great prince which stands for the children of thy people, Daniel 12, verse 1. Et Michael est le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, Daniel 12, 1. Well, he's the ruler, he's Jesus Christ. Il est donc le chef, c'est Jésus-Christ. He's also called the archangel. Il vient appelé aussi l'archange. In Jude 9. Jude 9. But Michael, the archangel, when contending with the devil, he argued about the body of Moses. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse. So some people say, hang on a second, but then he's just an angel, he's not God. Et alors quelques-uns disent, mais attendez un moment, le texte dit qu'il est seulement un ange, il n'est pas Dieu. But who can raise up the dead except God? Mais qui peut ressusciter les morts sauf Dieu? And Michael, the one who is what God is here arguing about the resurrection of Moses. Et Michel, celui qui est ce que Dieu est, conteste ici sur la résurrection de Moïse.
So let's just make sure on this issue. Mais assurons-nous sur ce mot archange. If we go to 1 Thessalonians 4:16, si nous lisons 1 Thessaloniciens 4:16, it says, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel." Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné à la voix d'un archange. So the Lord himself will come with the voice of the archangel. Alors le Seigneur même descendra du ciel avec la voix d'un archange. Parallel text. Un texte parallèle. John 5:28. Tells us that that is the voice of the Son of Man. Il nous dit qu'au retour du Christ, ça sera la voix du Fils de l'homme qui fera ressusciter les personnes. So before he came to this earth. Et alors avant de venir sur cette terre. He had an angelic form. Il avait une forme angélique. And he was known as Michael. Et il était connu comme Michel ou Michael. When he came to this earth, et quand il vint sur cette terre, he took on the form of man. Il prit la forme de l'humanité. In Genesis 48, verse 16, et dans la Genèse 48, 16, he is referred to as the angel who redeemed me. On parle de lui comme de l'ange qui m'a délivré ou rédimé. Now the only one who can redeem us is Jesus Christ. Le seul qui peut nous délivrer ou rédimer, c'est Jésus-Christ. He's also known as the angel of the Lord. Il est aussi connu comme l'ange de l'Éternel, Exode 3:2. Who appeared to Moses in the burning bush. Qui apparut à Moïse dans un feu flamboyant du milieu d'un buisson. And remember that this angel of the Lord accepted worship, so he must be God. Et rappelez-vous que cet ange de l'Éternel accepta l'adoration, alors il doit être Dieu. He's also called the angel of his presence. Il est appelé aussi l'ange de sa face ou celui qui est devant la face de Dieu. In Isaiah 63:9. Dans Isaïe 63:9. And he's the savior and the redeemer. Il est le sauveur et le rédempteur. So Michael, the one who is what God is Jesus Christ. Et alors Michel, celui qui est ce que Dieu est en réalité Jésus-Christ. And that was his angelic name. Et c'était donc son nom angélique. Now the dragon. Okay. Et alors le dragon qui est-il? Verse 9 tells us he's the serpent called the devil and Satan. Apocalypse 12:9 nous dit que c'est le serpent appelé le diable et Satan. And he's here to deceive the whole world. Et il est là pour séduire toute la terre. Where did he come from? Et quelles sont ses origines? Ezekiel 28 gives us the answer. La Bible, Ézéchiel 28 nous donne la réponse. He was in Eden. Il était dans l'Éden, dans le jardin de l'Éden. So right in the beginning, he was there. Alors juste au commencement, il était là. He was in the garden of God. Il était dans le jardin de Dieu. Every precious stone was his covering. Et toute espèce de pierre précieuse le couvrait. In the day that he was created. Pour le jour où il fut créé, verset 13. So whether he likes it or not, he's a created being just like we are. Et alors, soit que ça lui plaise ou pas, il est un être créé comme nous le sommes aussi. He was the anointed cherub that covered. So he was one of the covering cherubs over the Ark of the Covenant. Il était un chérubin protecteur, celui qui couvrait. Et alors il faisait part des chérubins protecteurs sur l'Arche de l'Alliance. And he was created perfect. Et il fut créé parfait, intègre. Until iniquity was found in him. Jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée chez lui. Now in order to be perfect, et alors pour être parfait, we must have freedom of choice. Vous devez avoir de la liberté de choix. Because without freedom of choice, love becomes meaningless. Car sans la liberté de choix, l'amour perd son signifié. If my wife were programmed to love me, si ma femme était programmée pour m'aimer, and she had no choice in the matter, et elle n'avait pas de choix dans cette situation, that love would be totally meaningless. Son amour serait absolument sans signifié. But if she loved me, mais si elle m'aimait, even if she has the capacity not to love me, même si elle pouvait choisir de ne pas m'aimer, then that love is precious. Alors cet amour est précieux. It needs to be nurtured. Et ça a besoin de l'encourager. So the fact that we have the capacity to choose against God, alors le fait même que nous avons la capacité de choisir contre Dieu si nous voulons, makes us perfect. Nous rend parfait, intègre. If we didn't have the capacity, si nous n'avions pas cette capacité, we would be robots. Nous serions comme des robots, des automates. How would you like to be married to a robot? Aimeriez-vous être marié avec un robot?
Who every morning just says, yes, 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 qui vous disent chaque matin oui chérie, oui chérie, oui chérie. It would drive you nuts. You'd switch it off. Ça vous irriterait à tel point que vous l'éteindriez immédiatement. So he wasn't created evil, and God isn't the author of evil. Et alors Satan, il ne fut pas créé mauvais, méchant, et Dieu n'est pas l'auteur du mal. But perfection requires that he has the capacity to choose. Mais la perfection exige que la personne ait la capacité de choisir. And he chose, because the Bible says in verse 16 that he sinned. Et alors Satan fit son choix, car la Bible nous dit qu'il pécha. And that God will have to destroy him. Et Dieu va devoir le détruire. Now why did he sin? Mais pourquoi a-t-il péché? Because his heart was lifted up because of his beauty. Verset 17, car son cœur était élevé à cause de sa beauté. And he thought to himself, man, look at me, I'm as great as that guy, why should I bow down to him? Et il pensait en soi-même, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je me vois si important que lui, et pourquoi dois-je me prosterner devant lui, devant Dieu? And then he corrupted his wisdom. Et il corrompa sa sagesse, nous dit le texte. And then he defiled his sanctuaries. Et après, il profana ses sanctuaires. And this will be his end. Et celle-ci sera sa fin. I will bring thee to ashes upon the earth in the sight of all of them that behold thee. Et verset 18, je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. And never shalt thou be anymore. Et tu es réduit au néant et tu ne seras plus à jamais. There's no everlasting burning hell here. Ici, le texte ne parle pas d'un enfer qui brûle éternellement. There's just an everlasting destruction. Mais parle d'une destruction éternelle. So these two great adversaries face each other. Alors ces deux grands adversaires se font face. Now the people of God have always adhered to the Bible and to the wonderful promise of Jesus Christ, the Messiah, the Son of God. Et alors le peuple de Dieu a toujours suivi la Bible en espérant la promesse merveilleuse de Jésus-Christ, le Messie et le Fils de Dieu. And the children of Satan have always turned it around. Et les fils de Satan, ils inversent tout ça. And have called good evil and evil good. Et ils appellent le bien mal et le mal bien. So if we go to the secret doctrine of Blavatsky, si nous lisons dans le livre de la doctrine secrète de Blavatsky, then she says, elle dit that Jehovah, que Jéhovah, not the serpent, et pas le serpent, which spoke only words of sympathy and wisdom, le serpent qui parla seulement des mots de compassion et de sagesse, is the bad one. C'est Jéhovah le méchant. She goes to say, therefore Jehovah was called by the Gnostics the creator of. Et elle continue, et donc Jéhovah, selon les Gnostiques, était appelé le créateur. And one with Ophiomorphos. Et un est en unité avec Ophiomorphos. The serpent, Satan, or evil. Qui est le serpent ou Satan ou le mal. This is horrendous. Mais alors c'est horrible. So the God of heaven is called the devil. Alors le Dieu des cieux est appelé le diable. And the devil is called full of light and wisdom. Et le diable vient défini comme plein de lumière et de sagesse. Here's another quote from Secret Doctrine, volume 1. Et voilà une autre citation de ce livre, La Doctrine Secrète, volume 1. Esoteric explanation. L'explication ésotérique, nous dit le livre. May have ever bring some order into this confusion. Cette explication pourrait apporter un peu d'ordre dans cette confusion. In which Jehovah becomes Saturn. Où Jéhovah se convertit en Saturne. That's the god of death. C'est en réalité le dieu des morts. And Michael and his army. Et Michel et son armée. Becomes Satan and his rebellious angels. Se convertit en Satan et ses anges en rébellion. Isn't this incredible? N'est-ce pas ça incroyable? Satan turns the doctrine of salvation upside down. Satan inverse la doctrine du salut. Then she says, Michael is simply Jehovah himself. Et l'auteur continue et dit, Michel est simplement Jéhovah même. And then, one of the subordinate spirits at death. Et après elle dit, oh, dans le meilleur des cas, un des esprits subordonnés. This is absolutely horrendous. Alors ça, c'est absolument horrible. But Satan admits even in his occult world that Michael is Jehovah. Mais quand même, Satan reconnaît même dans son monde de l'occultisme que Michel est Jéhovah, l'Éternel. How do I know that he's a liar? Et comment savons-nous que Satan est un menteur? Because he has not been able to destroy the word of God.
car il n'a pas pu détruire la parole de Dieu. And every single prophecy in the word of God has been fulfilled. Et chacune des prophéties dans la parole des dieux s'est accomplie. In Secret Doctrine, Blavatsky writes, the devil is now called darkness by the church. Et dans la doctrine secrète, Blavatsky écrit que le diable est appelé maintenant l'obscurité par l'Église. But in the Bible, he's called the Son of God. Mais dans la Bible, il est appelé le Fils de Dieu. And there again, she turns it then upside down. Et encore une fois, ils inversent les faits. She says the church transformed him into Lucifer or Satan. Elle dit que l'Église l'a transformé en Lucifer et Satan. Because he is higher and older than Jehovah. Mais en réalité, il est plus élevé et plus ancien que Jéhovah. Isn't that disgusting? Ne trouvez-vous ça répugnant? Let's continue with the Bible. Mais continuons avec notre texte dans la Bible. And let's see what will be the end of this great drama. Et voyons comme cette grande bataille arrivera à sa fin. Verse 7 and 9, and the great dragon was cast out. Verset 9, Apocalypse 12, et il fut précipité le grand dragon. That old serpent called the devil and Satan. Le serpent ancien appelé le diable et Satan. So Bible says that Michael and his angels threw him out. Alors la Bible nous dit que Michel et ses anges ont chassé des cieux Satan. And he was cast out into the earth and his angels were cast out with him. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. So now he's down here on this planet. Et alors il se trouve ici sur cette planète. Thrown out of heaven. Chassé des cieux. Verses 10 and 11, and I heard a loud voice saying in heaven, now has come salvation and strength and the kingdom of our God. Et verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu. And the power of his Christ. Et l'autorité de son Christ. For the accuser of our brethren is cast down, who accused them before our God day and night. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. The only way to overcome Satan is through the blood of the Lamb. Et alors la seule façon de vaincre Satan, c'est à travers du sang de l'agneau. And he will attack relentlessly. Et Satan va attaquer sans pause. Therefore rejoice ye heavens and ye that dwell in them. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. So now he's out of heaven. Et alors maintenant il se trouve chassé des cieux, Satan. And he has claimed this planet. Et il revendique cette planète comme la sienne. Because he overcame Adam and Eve. Car il a vaincu contre Adam et Ève. So he claimed the dominion which they had. Et il revendique la domination, le territoire qu'il gouvernait. Therefore, woe to the inhabitants of the earth and the sea. Et donc malheur à la terre et à la mer. That's the nations. C'est-à-dire aux nations. For the devil has come down unto you having great wrath because he knows that he has but a short time. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps. He has 6,000 years. Il a eu 6,000 ans. That's short in relationship to eternity. Et c'est peu de temps comparé avec l'éternité. And then he will be destroyed. Et après, il sera détruit. He will be brought to ashes and he will be no more. Il sera réduit en cendres et il ne sera plus à jamais.